Bonsoir, quel accueil! Bonsoir Liège, je suis très heureux d'être ici ce soir. Et vous savez, on nous demande souvent à nous les imitateurs comment on fait pour faire toutes ces voix. Alors ce soir, je vais vous expliquer comment on fait une imitation, comme ça vous pouvez faire chez vous. Hein, tout le monde peut faire une imitation, c'est facile, c'est qu'une question de palier. Hein, c'est une question de palier, pardon. On prend une voix au hasard, hein, Bourville. Hein. Bourville, il est là. Il est là. Bourville! Si vous le poussez un peu dans le nez, vous tombez sur Régis Laspalès. Vous voyez ? Là, vous avez Régis Laspalès. Voilà. Là, t'as Régis, et là, t'as Bourville. Et là, de nouveau Régis, toi. Régis Laspalès, tu pousses la langue en bas, tu ouvres la bouche comme si t'avais une patate à l'intérieur et ça devient Paul Prébois. Tu as Bourville, là Prébois, Laspalès, tu vois, Laspalès. Tu le jettes dans une baignoire avec un sèche-cheveux allumé et tu as Claude François, oui. Oh. Oh, oh, oh. Et Claude François avec un rhume, c'est Julien Clerc. Julien Clerc, tu l'ouvres un peu dans le thorax et ça devient Eddie Mitchell. Eddie Mitchell qui vient de Melmac, ça devient Alf. Hey Willy, je viens de Melmac et je vais manger ton chat. Alors... Alf, si tu le remontes un petit peu, tu tombes sur Homer Simpson, tu vois. T'as Homer là et t'as Alf ici. Et de nouveau, Homer, si tu le fais chanter à genoux, ça devient Charles Aznavour. Je me vois déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus grand, en 10 fois plus grand que... Et là, on est sur le petit Nicolas. Alors là, vous avez remarqué qu'on a changé de palier. Hein? Attention, mais attention, Nicolas Sarkozy, hein? Pas Starsky. Hein? Ça n'a rien à voir. Sarkozy, il est là, et Starsky, il est plutôt... Hutch, appelle le capitaine Dubé. Voilà, t'as Hutch. Et là, t'as Nicolas. Et là, t'as de nouveau Hutch. Hutch, si tu le pousses un petit peu, ça devient d'un Fridoc le canard. Toi, t'as d'un Fridoc le canard. Et d'un Fridoc, si tu le fais aller un peu plus loin, toi, Isabelle Mergot. Mais là, je crois qu'on s'égare un peu. Hein? Alors, repart de Nicolas. Hein, Nicolas, maintenant, si je veux passer de Sarkozy à Chirac, il faut que je fasse quoi? Je vous pose la question. Eh bien, il faut que je me relève, hein, tout en me remontant. Et de la, du tac au tac, je m'en vais vers Chirac à trottinette. Alors, Jaco, tu le fais chanter avec un petit accent américain, tu le fais loucher un peu, et ça devient Joe Dassin. Il louchait à l'époque, mais c'était pas le seul. Et il y avait aussi Dalida, qui avec un autre accent et une crinière, devient Stéphane Escher. Et si tu baisses un peu la voix d'Escher, tu descends sur Garou. Une main à l'oreille et tu as Béco. Tu vois le Garou et la Béco. Et Gilbert Béco, tu lui mets un accent parigo et tu obtiens Renaud. Bien sûr, t'as le Renaud d'il y a 20 ans qui avait une voix assez bien. Puis t'as le Renaud d'aujourd'hui. Qu'on dirait Patrick Sébastien, c'est génial. Alors attention Patrick, maintenant tu lui mets des cailloux dans la gorge. Tu vois, c'est bien, tu lui mets des cailloux dans la gorge, tu le fais parler cuisine. Et c'est Jean-Pierre Coff, nom de Dieu. Et Jean-Pierre Coff qui mue, c'est Patrick Bruel. Salut. Et Patrick Bruel qui fait des gags, c'est l'histoire d'un mec. Que si tu changes de palier, tu tombes sur Claude Nougaro. Oh, et Claude Nougaro, tu le montes d'un ton et tu vas vers Sanson.
Bonsoir, ah, madame, même palier. Bienvenue dans ce Muppet Show. Toujours, c'est une sacrée soirée. Un instant, ce soir, un instant, mon cher Patrick. Alors, tout à fait, mon cher Jean-Pierre. Alors, Patrick Pauvre d'Arvor, maintenant, vous l'ouvrez, vous le faites chanter sur Michel Jonas. Et de Jonas à Michel, il n'y a qu'un bouchonnat. Je te jure, c'est vrai. Je te jure. Tu vois, là tu as Michel, et là tu as Michel, et là tu as de nouveau Michel. Alors maintenant, attention, je vais faire Jean-Jacques Goldman. Je vais te faire Jean-Jacques Goldman. Je fais tu, c'est Jean-Jacques Goldman. Tu vas voir. Me regarde pas comme ça, je te fais tu, deux secondes. Je fais tu, c'est Jean-Jacques Goldman. Attention, t'es prête. Attention. Ça va aller vite. Attention. Tu. Voilà, c'était Jean-Jacques Goldman. Maintenant, je vais vers l'ascenseur, j'appuie sur le bouton, j'ouvre l'ascenseur, je rentre dans l'ascenseur, j'appuie sur le bouton, je ferme l'ascenseur, je monte, je passe par Francis Cabrel, puis Vincent Delerme et Georges Brassens, puis Jean-Luc Godard et Serge Lama, et je sors de l'ascenseur avec Johnny Hallyday, oh, ça ne finira jamais! Mais si, c'est fini, Johnny, merci. Je suis spécialement pour vous ce soir à Liège, Yann Lambiel.